fasawa te foko keke wahuka anaya hai hoka wa to tapatapa yo te ana na nai te apua tetto tayo hai no kuiwa ai hoa te ha uapo I aku kai te Aneke mai, anuku mai, eme koutou mamu yoa. On dit dans les îles que les dieux profanes ont perdu la parole, que seul dorénavant, l'écho de leur voix sourd encore dans les vallées les plus lointaines, comme inscrite pour toujours dans les profondeurs du roc. Mémoire dédiée à travers les âges aux habitants de la Terre des Hommes, ainsi s'appelaient autrefois les îles Marquises. Et pour que la mémoire demeure et s'attache aux hommes alors que les dieux s'en sont allés, chaque parole des Haï Parao d'autrefois est devenue musique dense et mystère scandée par les chœurs des percussions dans toutes les tribus. Portée par les vagues de l'océan vers Hawaiki, la première terre et enfin jusqu'au rivage de Akao en île de Wapo. De nos jours, la tradition veut que même la fête convie à la communion chrétienne. Le grand rassemblement de Meva'a, commémorant les migrations de Naguère, ne pouvait déroger à l'usage. En ouvrant ses premières pages dans la ferveur autour de Monseigneur le Cléage, le Festival des Marquises accueillera les descendants des aventuriers des mers du Sud pour ce qui sera, qui pouvait en douter, la plus belle des messes au monde. Ce sera aussi l'occasion de rappeler que les Marquisiens s'honorent d'être un peuple pieux, pour qui l'offrande publique de leur culture s'avère n'être qu'une parenthèse exceptionnelle, à l'intérieur de laquelle pourtant l'on s'émerveille, de la place qu'ont prise les plus jeunes auprès des plus anciens pour rendre le souffle de la vie à ce qui fut. Wapo a repris le flambeau du festival marquisien. Les navires qui ont transporté les groupes de danse depuis Tahiti, Nuku Hiva, Fatu Hiva, Hiva'oa ont gagné Akao. L'accueil traditionnel qui attend les visiteurs est l'aboutissement d'un périple pour certains très contraignant après quelques jours en mer, notamment pour ceux qui sont de Papeete, la capitale, là où les pontes de la culture ont instauré leurs lois. De l'embarcadère, la route longe l'esplanade de Akao, un chemin qui quitte bientôt le littoral pour s'enfoncer à l'intérieur des terres, mais qu'il faut néanmoins emprunter pour se rendre au village traditionnel où se dérouleront les cérémonies du Meva'a. Un village qui semble avoir été là depuis toujours, posé sur ses paépaé comme du temps des guerres tribales. Les pharets dressés pour chacune des îles marquisiennes interpellent le regard par leur beauté. Pourtant, ce ne seront là que décors et coulisses du vrai village où vit la communauté de Akao, où depuis belle lurette déjà, les habitants ont fait le sacrifice de la vie coutumière et payé leur tribut à un quotidien qui appartient à une fin de siècle porté sur le confort, situé à l'orée d'un nouveau millénaire.
Qu'est-ce que tu prépares là? Manioc. Ok, manioc. C'est bon? Oui, très bon. Un geste commun à tous les natifs de l'Océanie, la tradition de l'hospitalité, le Eremaï, dit Mavemaï en terre des hommes, à travers laquelle ceux qui se rencontrent pour la liesse savent balayer tous les artifices des mondanités et se fondent tout simplement autour du kai-kai, le festin communautaire. La traversée depuis les autres îles des Marquises endurait de longues heures de mer durant demande réparation. C'est là que les mets succulents qui seront préparés au four polynésien par les cantiniers de service de Wapo sont les bienvenus. Le haïkai, le four depuis la nuit des temps, est régi par la loi du plus fort. Il incombe à l'homme d'en organiser les différents stades de préparation jusqu'au repas. Le kai-kai commémoratif requiert une profusion de nourriture synonyme aux yeux des invités d'un bon accueil. Là encore, Wapo ne faillira pas. Mais comme souvent, c'est au lendemain de ces agapes populaires que tout un chacun a le temps de prendre la mesure du temps qui passe. Je ne te cache pas que c'est depuis peu que l'on se préoccupe enfin du devenir de la langue marquisienne, que l'on s'interroge sur nos origines. Que sommes-nous? D'où venons-nous et où allons-nous? Hélas, il est peut-être déjà trop tard. Tant de choses ont disparu à jamais. Je suis resté fidèle à la tradition des danses telles que mes pères me l'ont enseignée. Je pense qu'on leur doit le respect de leur enseignement, même si certains pensent qu'il faut peut-être reconsidérer tout cela. J'aime que cela soit comme on me l'a appris. Siméon, le papy qui en 1937 fréquenta l'école du lundi au samedi suivant, le temps d'apprendre à orthographier son nom, et Toti, le chantre marquisien, résonnent les déchirements de deux mondes. Tous deux partagent toutefois à des lieux l'un de l'autre avec tous les marquisiens la foi récurrente dans l'ensemble du bassin pacifique, en ces entreprises de cœur qui s'engagent en vue de sauvegarder les quelques miettes de ce que fut une vraie civilisation avant qu'elle ne soit totalement pillée par les monstres du folklore ou mise en vitrine comme de vulgaires potiches qu'on aurait dérobées à des fins soi-disant de préservation au fond d'une tombe ancienne. Ah,
Les interrogations de la jeune génération marquisienne ne resteront pas sans réponse. Sous l'égide de quelques guides, pour certains, les fondateurs d'associations culturelles comme Moutou Aka, Aka Mevar, et l'occasion de dire au monde que Fenoua et Nana, la terre des hommes, possède encore, parmi tant d'autres biens, le plus précieux des liens qui puissent rattacher un peuple à son patrimoine, sa langue, le marquisien, dont même les règlements les plus retors de l'administration coloniale n'auront jamais pu venir à bout. Et l'on comprend la complaisance bienveillante de Monseigneur l'archevêque des îles Marquises lorsque, installé parmi les siens, il emboîte le pas aux quelques mille jeunes garçons et filles rassemblés sur la place centrale de Huapo. La langue, on peut dire en quelques mots, c'est l'âme d'un peuple. Parce que la langue exprime comment il découvre, il sent son environnement. La langue marquisienne a été menacée. C'est une des raisons pour lesquelles ce mouvement Motuhaka a surgi du peuple marquisien. Non pas pour défendre sa langue, mais pour la promouvoir. Pour apprendre à la jeunesse que sa langue, qu'on lui interdisait de parler à l'école, et son trésor, le trésor que ses ancêtres lui ont légué, il doit y être attaché. Les marquisiens, les jeunes d'aujourd'hui, savent ce qu'ils font. Ils dansent non pas pour le plaisir de danser, mais ils dansent pour s'affirmer. En bon français, ça leur vient des tripes. Leur danse est énergique, émotive, ils s'affirment même. Et c'est très important de voir une jeunesse qui est sûre d'elle-même, qui est fière d'elle-même. En quête de leurs racines, la persévérance des marquisiens est exemplaire. Le festival n'est qu'une des pages parmi tant d'autres que l'on feuillette avec une attention toute particulière pour le souci du détail historique, entendons celle de l'histoire au quotidien qui, à défaut d'une authenticité pas toujours facile à exprimer, se charge de restituer son âme au passé. C'est bien comme cela que le passé, parce qu'il est, pousse le présent à son devenir. Le peuple marquisien se trouve à la croisée de deux chemins. Il hésite entre deux choix. J'estime que nous devons de rester dans les traditions marquisiennes. Et les productions locales doivent être plus nombreuses, à titre d'exemple pour les jeunes. Voilà pourquoi, contrairement à l'histoire des autres peuples de par le monde, lesquels n'ont appris à ériger que des monuments à la gloire de leur dynastie régnante, il importait aux yeux des marquisiens depuis toujours de retracer le sillon de leur vécu de tous les jours. Scène de la vie communautaire, scène de chasse aux cochons sauvages, de conflits, lesquels, somme toute, ne sont que les répliques sous une autre forme de scènes rupestres ou comme celles tissées dans la tapisserie de Bayeux. Et on en passe, toutes racontées par des hommes qui ne connaissaient comme mode d'expression picturale que les tatouages. <t'->
Le premier festival qui s'est tenu aux îles Marquises il n'y a pas si longtemps de cela fut unanimement salué. Car enfin, un groupe d'îles prenait le défi de destituer la mainmise tahitienne dont les diktats jusqu'alors pouvaient tenir lieu de paroles d'évangile. J'étais venu déjà à l'occasion du premier festival marquisien, il y a de cela 8 ou 10 ans. Je constate qu'entre la dernière fois et cette fois-ci, les danses marquisiennes ont évolué. Je crains que les marquisiens n'aient été enclins à se tourner vers ce que l'on fait à Tahiti. Il serait bien s'ils pouvaient préserver leur propre danse, leur danse si belle. Nous, nous n'avons plus rien qui préserve donc ce qu'ils ont. En matière d'art, les marquisiens sont, cela est justifié, considérés comme des virtuoses à leur manière, qui savent transcender la matière et tirer de la nature des formes et des volumes qu'ils subliment en exquises déclinaisons. Les danses marquisiennes se placent au rang de ces arts répétés à l'envi qu'un seul festival ne saura jamais rendre exhaustif. Ici, comme partout ailleurs dans le Grand Pacifique, sauf à Tahiti, la gestuelle suit une rythmique portée par les seuls instruments de percussion, souvent élan violent et viril, qui ont pour nom le haka. Pas de guerre, destiné à terrifier l'ennemi, danse à l'occasion célébrant le retour d'une chasse réussie, incantation autour du grand prêtre, avant que les grandes pirogues doubles ne prennent le large. Quand les premiers navigateurs européens atteignirent les rivages polynésiens, ils virent eux aussi des haka à Tahiti, pareils à ceux des îles Marquises. C'était en d'autres temps. À Wapo, les guitares et les ukulélés hawaïens, si chers aux groupes de danse professionnels qui se produisent dans les hôtels à touristes, ont été bannis. Il aurait été inconvenant aux oreilles des marquisiens d'en entendre jouer une seule note pour accompagner les récits épiques d'autrefois. Ici, le tambour n'a jamais quitté sa place parmi les danseurs. Alors qu'à Tahiti, il faudra attendre les années 80 pour qu'enfin on revienne à cet instrument d'accompagnement traditionnel qui restera toutefois supplanté par le toéré, bloc de bois creux, frappé d'une ou de deux baguettes et réputé plus percutant. L'éloignement des îles marquisiennes est resté longtemps un handicap. Loin des pôles d'attraction, sans parler de l'insuffisance ressentie pendant longtemps de moyens de communication, on comprend que les habitants aient vécu poussés à se replier sur eux-mêmes, préservés ainsi de toute altération qui eût entaché leur culture propre. Mais pourront-ils rester vigilants face aux influences extérieures comme ils ont pris garde pour ce qui concerne la sauvegarde de leur langue maternelle ?
rien n'est moins sûr. D'autres ont fait des choix pour eux, des choix pas forcément de facture polynésienne, des choix qui ne sont pas forcément les plus adaptés. Aussi, serait-il erroné de penser que les Marquisiens subissent pour la deuxième fois les effets d'une forme de colonisation à travers tout ce que peut apporter la grande ville? L'indifférence au sort qu'ils n'ont eu à subir autrefois sous la coupe d'instances civiles ou religieuses dont le discernement méritait sans doute une bonne remise en cause, a fort heureusement laissé place à une perspective d'espoir des habitants d'un petit groupe d'îles qui mériteront sans aucun doute de cultiver leurs différences en toute liberté. Le Festival des Arts, ouvert en 1989 aux habitants des îles Marquises, en fut le premier acte. Les Marquisiens ont tiré le rideau sur leur festival. Le prochain rassemblement se tiendra au seuil de l'an 2000 à Nuku'iwa. Ce sera l'occasion des mêmes interrogations du peuple du Fenua et Nana, la terre des hommes, lequel, depuis que les dieux profanes ont perdu la parole, ont bien failli se taire, eux aussi, définitivement. Watu, te kuatao, hepeau tato oinga te whenua, kanahao no te tau. Tato enana, kapo nei oko tato me hea mai koutou, he koutou I hea o ai koutou. Hei, wa taki te kuhi, kawa mai, kawa mai, kawa mai, kawa mai, kawa mai, hei. Thank you.
le Festival des Arts des Îles Marquises avec Manuya Curios. Manuya Curios, tous les secrets de l'art polynésien. J'aime mes îles.